continuer ensemble en posture assise, confortablement, pour faire cette séance en assise. Dans un premier temps, je ferme les yeux et j'écoute cette posture que j'ai. Et je peux soupirer et retrouver le même état de relaxation et de détente que j'avais précédemment quand j'étais au sol. Je sens tout de suite ma respiration. Sur l'inspiration, je sens que peut-être ma cage thoracique se soulève. Sur l'expiration, ça se détend, ça se dégonfle. Je prends le temps de sentir cette respiration. Et puis j'amène mon attention dans le ventre. Le ventre comme un ballon. Nous avons déjà travaillé sur l'appui du Tan Tien et je vous propose de trouver ce ballon dans votre respiration. Le ballon se gonfle et se dégonfle. Vous pouvez l'imaginer ici, donc dans le ventre bas. Tout autour, c'est un ballon, en dessous et en dessus. Quand je dégonfle le ballon, j'expire. Quand j'inspire, le ballon se gonfle. Quand j'expire, le ballon se dégonfle. Au centre du ballon, nous avons le Tan Tien, la boule du Tan Tien, le point d'appui. Je viens donc tout naturellement, comme je peux le visualiser, un ballon et au centre le Tan Tien, je viens naturellement prendre appui depuis ce centre pour faire gonfler mon ballon. Et hop, ça gonfle. Sur l'expire, hop, ça dégonfle. Et ça revient au Tan Tien. C'est très naturel et sans même expliquer plus, chacun d'entre vous peut sentir cette respiration dans le ventre. L'expiration étant très importante parce que lorsque vous expirez à fond, que vous attendez un peu, naturellement, l'inspire revient toute seule. J'inspire et j'expire. Et puis, je vais commencer à bouger à nouveau en faisant les bascules du bassin. La même chose que nous avions tout à l'heure. Au sol, mais là, c'est en posture assise. Donc, mon bassin bascule vers l'avant et mon bassin bascule vers l'arrière. Oui. Rien de bien sorcier, mais je prends du temps pour sentir les articulations qui bougent. On a déjà fait ça au sol, donc en principe, tout est très fluide, très articulé. Quand je bascule vers l'avant, je sens en même temps le périnée et je sens le bas du dos. Quand je bascule vers l'arrière, je sens le ventre à l'avant. Quand je bascule vers l'avant, je sens la zone du sacrum qui s'ouvre et en même temps,
le bas du dos, la charnière sacro-lombaire qui se pince. Quand je bascule vers l'arrière, je sens le périnée qui se contracte et ici, ça se contracte. En dessous du nombril aussi. On porte notre attention d'abord donc sur le repère avant du tantien, en dessous du nombril ici qu'on voit. Basculez votre bassin, sentez cette zone qui se contracte, puis ensuite qui se relâche. Je recommence. De nombreuses fois, je sens que ça se contracte, que ça se relâche. Ce sont les bascules du bassin qui m'aident à sentir cette musculature particulière dans le repère avant du tantien. Je fais des bascules un peu plus petites à présent. Et je garde toujours mon attention dans le repère avant du tantien, dans cette zone où on a posé les doigts dessus tout à l'heure et qui est comme un petit anneau musculaire. Je l'entoure d'un anneau musculaire que je contracte et puis que je relâche. Toujours avec les bascules du bassin de plus en plus petites, ce qui fait que ma contraction dans cette zone est isolée et je peux trouver tranquillement une vraie activité musculaire ici. Toute petite bascule du bassin. Je passe à chaque fois par la posture neutre. Je sens à peine, je vais vers l'arrière, choup, ça se contracte. Hop, je reviens, quand je vais vers l'avant, choup, ça s'ouvre. Je continue à sentir ça dans cette zone. Et puis je m'arrête au centre, là où je décide que c'est le centre. Alors petite indication, posez votre main à plat dans le bas du dos, sentez qu'il est plat. Il n'est ni arrondi, ni creusé. Il est vraiment plat. Et vous pouvez sentir que ça c'est une indication que vous êtes en posture neutre. Autre indication de la posture neutre, on va la voir ensuite puisqu'on va faire la même chose avec le repère arrière. Ce sont les ischions. Et on verra ça un peu plus tard. Je garde l'attention dans le repère avant. Je touche à nouveau en dessous du nombril. C'est cette zone-là que j'ai sollicitée. Je refais une toute petite bascule du bassin. Hop, ça se contracte. Hop, ça se relâche. Et puis je m'arrête en posture neutre. Et je continue à activer, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. J'active cet anneau musculaire, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche, je contracte et je reste. Donc nous avons sollicité le repère avant du tantien. Exactement à l'opposé, nous avons le repère arrière. Avec ma main, je viens toucher la charnière sacro-lombaire. Exactement à l'opposé du repère avant. Et puis, hop, je recommence les bascules du bassin. Et dans cette zone, pareil, j'entoure ce point d'un petit anneau musculaire. Yop, qui se pince et qui s'ouvre. Je fais ça de nombreuses fois. Je fais les bascules du bassin, donc je ne sais pas si vous voyez, mais je continue à faire les bascules du bassin. Et je sens cette zone qui devient active. Je diminue les bascules du bassin et je désire que cette zone elle soit de la même manière que le repère avant, qu'elle puisse se contracter et se relâcher de la même manière. J'oublie l'anatomie
Et je sens en effet une contraction de la même manière qu'elle est à l'avant, là où j'ai des abdominaux un peu plus, etc. Mais c'est pas important. Petite bascule du bassin, ça se contracte, ça se relâche. Ça se contracte. Ça se relâche. Je m'arrête en posture neutre. Et ou alors je continue à faire les bascules du bassin pour sentir dans cette zone une activité. Donc la charnière sacro-lombaire. Ne doutez pas, sentir cet anneau musculaire qui se contracte, qui se relâche. Contracter et relâcher. 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 Je contracte le repère arrière. Je relâche le repère avant. Contracter et relâcher. Le repère arrière. Contracter et relâcher. Le repère avant. Contracte. Relâche. Les deux en même temps, contracter et relâcher. Contracter et relâcher. Alors, entre mes deux repères que je contracte, je respire un petit peu, pas que je me sois arrêtée de respirer, mais juste je me repose un petit peu. Et entre mes deux repères, j'imagine ici une barre qui relie mes deux repères. Avec mon attention, je passe. Depuis le repère avant, le long de cette barre. Je passe tout le long, hop, j'arrive dans le repère arrière. Avec mon attention, je contracte le repère arrière et je pousse un peu la barre. Ça vient pousser dans le repère avant qui se déforme. Je relâche. Encore une fois, repère arrière, je contracte le repère arrière et ça vient pousser la barre qui déforme un peu le repère avant, ça fait gonfler un peu le repère avant. Et je relâche. Je fais ça de nombreuses fois. Je relâche. Contracter, pousser et lâcher. Contracter le repère arrière, pousser, ça vient déformer le repère avant, et je relâche. Je fais la même chose avec l'avant, je contracte le repère avant. Quand je le contracte, j'imagine la barre jusqu'au repère arrière, et je sens la barre qui est poussée dans le repère arrière. Je relâche. Et encore, je contracte le repère avant. Pouf, immédiatement, ça pousse la barre. Et ça vient déformer le repère arrière. Je relâche. Et encore. Tac. Relâche. Contracte. Relâche. Contracte. Et relâche. Et puis je contracte les deux repères en même temps. Je relâche. Je me repose un petit peu. Je sens ici la barre, les repères, avant, arrière. Au milieu de la barre, le temps tienne, que nous sommes en train de mettre en évidence. Il nous reste un petit travail à faire sur la barre. Depuis le repère avant, enfilez une petite bille. Sur l'expire, vous allez pousser la petite bille à l'intérieur pour faire toucher le tantien. Donc pour le moment, j'inspire. Et puis je contracte le repère avant. Et puis je pousse la petite bille le long de la barre.
t'en tiennes, je lâche. Et encore, je contracte le repère avant, je pousse vers l'intérieur pour aller toucher le tantien. Je lâche. Vous pouvez aussi utiliser l'image d'un doigt. Un doigt qui vient là, dans le repère avant, en imaginaire, qui rentre à l'intérieur du repère avant, je contracte le repère avant autour du doigt et je tire le doigt à l'intérieur pour aller toucher le tantien. Puis je relâche. Je fais ça de nombreuses fois. Pour finir, je contracte, je tire le doigt vers l'intérieur, je touche le tantien. Et puis je m'arrête au tantien. Je reste. Je sens déjà une relation très précise entre le repère avant et le tantien. Quelque chose qui s'est échauffé, qui s'est tonifié. Peut-être même certains d'entre vous ont des petites mini-crampes dans le repère avant. Sentir que le tantien est très en contact, il s'est formé, et puis on va faire la même chose à l'arrière. Donc la barre continue jusqu'au repère arrière. Au repère arrière, je contracte le repère arrière à nouveau, et je relâche. J'enfile une petite bille sur la barre, je contracte le repère arrière et je pousse la petite bille à l'intérieur. Le long de la barre, je la guide jusqu'au tantien. Et je relâche. Je refais. Et je relâche. Je contracte. Je pousse. Je touche. Je lâche. Contracté. Pousser, toucher, lâcher. La même chose avec le doigt imaginaire. Le doigt entre à l'intérieur, contracter, pousser ou bien tirer le doigt vers l'intérieur depuis le tantien, toucher, lâcher. Chacun le fait à son rythme. Ce sont nos gammes. Contracter, pousser, toucher et rester au tantien. Je reste au tantien, je me repose un peu. Et puis je vais faire les deux en même temps. Je contracte les deux repères. Avant, arrière. Je pousse vers l'intérieur la contraction. Je viens toucher le tantien à l'intérieur. Je contracte donc directement ici le tantien à la fin. Je recommence. Je contracte les deux repères, arrière, avant, chou, je pousse vers l'intérieur, tout le long de la barre. Je touche le tantien, je contracte le tantien. Je relâche, je recommence. Je vais à l'intérieur, je contracte le tantien. Je prends en main le tantien, on appelle ça. Je relâche. Je contracte avant, arrière. Je pousse les deux. Je touche le tantien et je reste. Je le serre entre mes deux repères à l'intérieur. Je reste ici dans le tantien. Je respire tranquillement, je reste. C'est une contraction qui s'est mise en place ici.
C'est un espace. C'est mystérieux d'arriver à une contraction là, au plus intime de nous. Une contraction qui nous permet de détendre tout le reste du corps. Un point d'appui, la boule du tantien, contractée, prise en main. Je reste longtemps, je respire et toute mon attention est là, dans le tantien. Et puis, j'inspire un peu, je garde l'appui dans le tantien, mais je bouge un peu, je soulève mes épaules, j'inspire, j'expire, je dépose, et encore, j'inspire, j'expire, je dépose, et encore, j'inspire, j'expire, je dépose. Sentez que votre posture, c'est déposer là, dans le tantien. Et on va jouer encore un peu, et avec la tête et la colonne vertébrale. Donc, j'ai mon sommet du crâne, ici, avec ma main, je viens toucher le sommet du crâne, chercher ce point sensible. Toucher cette zone qui peut-être est chaude, c'est le haut de notre cheminée. C'est pas trop vers l'avant, c'est pas trop vers l'arrière, c'est pas sur le côté, c'est juste là, au centre. Sentez avec le bout des doigts qu'il y a une zone sensible. Je pose juste mes doigts dessus, je reste. Je peux mettre mes doigts en relation directement avec mon tantien. Ajuster un petit peu à l'intérieur, comme s'il y avait un grand mât, hop, qui tombait directement dans le tantien. Et vos doigts sont appuyés dessus. Et puis délicatement, je soulève les doigts. Je garde la tension dans le sommet du crâne. J'expire, j'inspire. Et puis lentement, je vais laisser la tête s'enrouler vers l'avant. Le sommet du crâne sort de son axe. Je prends un. Je suis toujours en appui dans le ventre, mais ma tête roule vers l'avant. J'expire. Je relâche. Je m'arrête là. Je presse dans le tantien. Ah ah. Tout naturellement, je presse pour redérouler ma nuque. Mon haut du dos, ma nuque. Tout doucement. En appui de le tantien, je sens que je peux redresser la tête. J'inspire, je redresse. Et me voilà à nouveau sur mon mât, sur mon axe. Et à nouveau, j'expire. Je laisse la tête rouler vers l'avant. J'enroule un petit peu dans les épaules aussi. Dans le haut du dos, j'expire, je détends un peu plus que tout à l'heure. Et puis, à nouveau, je prends appui dans le ventre, dans le tantien. Je prends appui et je viens dérouler en appuyant dans le tantien tout mon dos. J'inspire doucement. J'inspire et je redépose ma tête sur son axe. Donc la sensation est très douce, très magique. Je le refais de nombreuses fois. J'expire, je relâche les tensions. Je lâche la tête, je lâche. Je peux aller un petit peu plus rapidement peut-être. Ou lentement, c'est vous qui jugez. Puis j'appuie sur le tantien à l'intérieur. Et doucement, je sens que je peux dérouler tout mon corps et revenir sur mon axe. Encore une fois.
Et je reviens sur mon axe. Je reste, je sens le sommet du crâne. Je sens ma posture à l'intérieur de, entre mon sommet du crâne et mon tantien. Je mets un mât. Avec mon attention, je trace ce mât à l'intérieur comme un grand tube qui descend, j'expire. Je viens le déposer dans le tantien. Je viens le faire poursuivre depuis le tantien dans le périnée et en dessous du périnée dans la terre, loin de la terre. Donc votre mât, c'est un gros tuyau, transparent, doux, plein, fort, dans lequel vous pouvez respirer. J'inspire. Je reviens avec mon attention au sommet du crâne. J'imagine le mât qui poursuit dans le ciel. J'inspire depuis le sommet du crâne. Je laisse descendre. J'inspire et j'expire dans le tube jusqu'au tantien, jusqu'à la terre. Je l'inspire, je resitue mon attention au sommet du crâne, comme si j'inspirais depuis le sommet du crâne. Et puis j'expire et je laisse mon attention descendre dans le tube, dans le mât intérieur. J'expire loin dans la terre. J'inspire, sommet du crâne. J'expire loin dans la terre. Et puis, j'expire jusqu'à loin dans la terre. On va laisser le sommet du crâne bien ouvert et on va inspirer depuis la terre. J'inspire dans la terre et je laisse couler à partir de mon tantien en appui. J'inspire dans la terre et je viens expirer loin dans le ciel. Sommet du crâne, ciel bien au-dessus de la tête. J'inspire dans la terre et puis j'expire en prenant appui sur le tantien. J'expire loin au-dessus du sommet du crâne. J'inspire dans la terre. Je prends appui dans le ventre et dans le tantien et oh, j'expire loin au-dessus du sommet du crâne. Et puis à nouveau, j'inspire depuis le sommet du crâne, dans le ciel. Je laisse descendre, j'expire vers la terre. Et puis je reviens au tantien, au ventre. Je sens ma respiration dans mon ventre. Je reviens au ventre. Je sens ma respiration dans mon ventre. J'inspire et j'expire. On va laisser les mains venir se frotter l'une contre l'autre. Et on va poser les mains juste l'une en face de l'autre. Comme si elle maintenait ici le ballon
Sentez le contact entre vos mains, sentez les sensations qui sont là dans vos mains. J'inspire, j'expire. Les mains sont en contact, c'est comme si elles tenaient véritablement un ballon. Je trouve ici, entre mes mains, quelque chose de tout à fait curieux. Un contact direct. Sur l'inspire, je sens le ballon entre mes mains qui gonfle. Laissez vos épaules détendues. Sur l'expire, je sens mes mains, le ballon entre mes mains qui se dégonfle, mes mains se rapprochent un peu. Il y a comme une résistance ici réelle entre mes mains. Je sens mes mains et le ballon. J'ai construit à l'intérieur de moi, dans mon ventre et entre mes mains, quelque chose de tout à fait unique, c'est ma présence. Ma présence à mon centre, ma présence à mon chi, mon énergie. À mon univers. C'est grand à l'intérieur, très grand. Et c'est dense, c'est vivant, c'est plein. Sentez ce que vous obtenez ici, entre vos mains, ce que vous obtenez aussi dans le ventre. Tout est relié. Avec moi, orientez les mains vers votre ventre. Comme si c'était une extension de votre ventre. Comme si vous étiez devenu énorme. Et vous l'êtes. Votre présence est si concentrée à l'intérieur de vous, et si pleine, que ça rayonne, car ça devient un peu plus grand que ce que nous avons l'habitude d'imaginer, de penser, de sentir. Notre corps physique ne s'arrête pas à la peau. J'inspire, je sens avec mes mains. Je sens ici la sensation de ma bulle, toute ma bulle. Je sens mes jambes à distance, mon espace vital. Je sens ici ma poitrine, ma cage thoracique. Je sens ici ma tête, elle est toujours là. Je sens dessus, le sommet du crâne. Chaque partie de mon corps, je le sens avec mes mains, à distance. C'est ma bulle. C'est ma bulle. C'est mon espace vital. Nous pouvons, par ces temps de confinement, que nous pouvons cultiver, enfin, nous n'avons plus besoin de prendre le métro, le bus, ou même d'être en ville avec tant de personnes qui viennent dans notre espace vital. Profitons-en. Enfin, on est chez soi. Si on peut le voir comme ça, c'est bien. Si on peut le ressentir profondément dans son corps, que cet espace-là, il est unique, il est essentiel. C'est notre vie. Sentir ici, à nouveau, le ballon.
On va bouger un peu le bassin. Descendre, sentir, me suivre. Je prends appui. C'est toujours inspire. J'expire. J'inspire. Celui-ci qu'on fait debout aussi, on peut le faire en assise. Déposer les mains, lâcher. Et doucement, reprendre les bascules du bassin, bouger. Et s'étirer si besoin. Doucement, tout doucement, je m'étire. Tout ce que nous faisons dans le travail de l'art du chi, c'est vraiment un contact profond avec sa présence, mais une présence intérieure, une présence axée, une présence centrée dans le centre moteur. Et puis nous avons beaucoup de techniques de travail de chi, mais là c'est déjà bien, on a vraiment bien travaillé. En tout cas, à tout moment, il vous appartient de pouvoir revenir vers vous quand vous le pouvez, de saisir une petite opportunité d'une respiration pour pouvoir ressentir votre corps, rester avec vous, revenir à vous. Je sais qu'on est très pris par les médias, par notre téléphone, etc. Peut-être vous pouvez essayer de couper le téléphone pendant un petit moment et faire cette séance, la refaire peut-être tous les jours de la semaine. Ça vous prend une bonne heure. Qu'est-ce que c'est une heure dans la journée? C'est rien. Faites-le pour vous. Et puis à des petits moments de la journée, prendre un bout, une fois que vous avez pris connaissance de toute la séance, prendre un bout de cette séance et refaire le travail de la respiration, tout doucement. Le travail de sentir son ballon dans les mains. Pouf, tac, ça y est, je suis avec moi. Et c'est magique, c'est magique. C'est vraiment à portée de main de tout le monde, c'est le cas de le dire. C'est là, c'est vivant, c'est nous. Alors je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine avec ce matériel. Il y a beaucoup de choses dedans. Faites-le par petites étapes si c'est trop. Et si vous en mangez, mangez-en. Il y a encore plein d'autres enregistrements. Si vous allez sur le site de l'art du chi, la directrice du centre a mis en ligne des enregistrements. Et c'est une grande chance. Parce que nous n'avons même pas besoin d'aller en stage. Nous pouvons rester chez nous et faire le travail. Merci. Prenez soin de vous.